Salut, chers membres de Crown, ici Lambert Kwasi. Je fais cette vidéo, ce tutoriel pour vous montrer comment vous pouvez écrire à Crown si vous avez une préoccupation et si vous les écrivez, ils vont vous répondre. Le but, c'est de vous aider à être indépendant. Ne dépendez pas d'un leader, ne dépendez pas d'une personne comme moi. Et pour chaque fois, il faut que vous venez poser des questions à Lambert Kwasi. Lambert Kwasi est une personne comme vous. Lambert Kwasi est un être humain comme vous, qui a payé un pack comme vous, qui est traité au même niveau d'égalité, au même niveau comme vous. Si je travaille, on me paye. Si je ne travaille pas, on ne me paye pas. Ce que j'ai fait, c'est un travail de leadership qui consiste à éclairer les autres, à aider les autres à réussir. C'est ce que j'ai fait. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un qui est obligé de le faire. Je le fais pour vous aider. Combien de questions ne me posent pas sur WhatsApp, sur Telegram, sur YouTube? Je peux répondre à vos questions. Mais il y a des questions que quand vous me posez, ce n'est pas à moi qu'on doit poser la question. Je ne suis pas créateur de Crown. Je suis un membre comme vous. J'ai commencé comme vous. J'ai payé le même montant comme vous. Je ne suis pas décideur à Crown. Je suis un membre comme vous. Si vous me voyez faire des vidéos, c'est dans le but de vous éclairer, de vous aider. Et ces vidéos, vous êtes censé les écouter, les lire pour comprendre telle chose. Et s'il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéos, je ne suis pas obligé. Et que vous n'avez pas la réponse dans mes vidéos, mais adressez-vous à votre compagne. Adressez-vous à votre compagne. Le même back-office que je décris là, vous avez le même back-office que moi. Il n'y a rien qui est différent. On a le même back-office. Les mêmes boutons. Les mêmes options. Il n'y a rien qui est plus que j'ai plus que vous dans le back-office. Il n'y a rien que j'ai de moins par rapport à vous. Donc, je vais vous montrer comment on écrit à Crown. Tu as des plaintes, écris à Crown. Tu as des suggestions, écris à Crown. Tu as des questions relatives au paiement, écris à Crown. Tu es trop content, va écrire à Crown pour les féliciter. Tu es trop fâché, écris à Crown. Tu crois qu'ils font quelque chose qui est injuste, écris à Crown. Tu ne sais pas comment on le fait, voici comment on le fait. Tu viens ici, voilà ton back office. Là où se trouve ton pseudo, là, tu mets le curseur dessus, ou bien si tu es sur un portail, il y a trois traits qui sont là. Clique sur les trois traits qui sont en haut là, de ton portail, et viens en bas, il s'écrit là support. Support. OK? Support. Support technique. Clique dessus, et tu vas tomber sur une page. En fait, cette page, on te montre pour dire que les questions pour lesquelles tu veux poser, les questions concernant le vote de ton compte, les paiements, les bonus, le KYC, le C-Store, les événements. Des gens ont déjà posé des questions et ils ont déjà des réponses. Donc, on te demande de fouiller d'abord pour voir s'il n'y a pas de questions là-dessus. Tant que tu ne fouilles, tu ne cliques pas pour voir, par exemple, ta question concerne les paiements. Donc, il faut que je suis payment. Et puis, ils ont posé plusieurs questions là, il y a des réponses. Est-ce que je peux changer mon sponsor? Par exemple, on dit non, tu ne peux pas changer ton sponsor. Tant que quand tu es enregistré. OK? Bien. Donc, ils ont posé plusieurs questions de ce genre. Et donc, tant que tu n'as pas cliqué sur ça pour voir la réponse, on ne te donnera pas la main pour que tu puisses écrire à la compagne. Donc, il faut que tu cliques d'abord sur une des options. Par exemple, on va prendre question le bonus. OK. Comment je reçois mes paiements quand je vends des packs d'adhésion, des packs de formation. Quand tu as fait ça, regardez, quand tu as cliqué sur une question comme ça et que tu l'as ouverte et que tu viens en bas, peut-être que tout ce qu'ils ont dit ne te concerne pas. Donc, tu viens en bas là, on dit maintenant, est-ce que tu as toujours besoin d'aide? C'est cette question qui est là. Dans ce cas-là, tu dis oui, je colle ça, j'ai tout lu, mais il n'y a pas de réponse dans ce que je vois. Et ma question est relative à autre chose, à mon membership, à ma souscription. J'ai déjà demandé aussi à mon parrain, il n'a pas eu la réponse. Donc, voilà
tout ça. C'est là quand tu fais ça, voilà, le bouton là était voilé. C'est quand je clique sur ça maintenant qu'on me donne l'occasion de le contacter. Tant que tu n'as pas coché ces trois cases-là, tu ne peux pas les contacter. Parce que les choses pour lesquelles vous les écrivez, là, les gens ont déjà posé la question, il y a déjà les réponses. Puis vous les fatiguez encore. Donc, ils veulent vous montrer que tu as lu, tu n'as pas vu ta réponse. Et ta question est un peu personnelle, peut-être. Et puis, tu as demandé à ton sponsor, il ne t'a pas répondu. Par exemple, le sponsor, il peut t'aider. Vous avez vos sponsors, vous ne leur posez aucune question. Et quand quelqu'un fait des vidéos, vous l'assurez de plein de questions, de plein de choses qui concernent Crowan. Vous comprenez? Moi, je ne dis pas, je ne répondrai pas à vos questions encore. Mais à la rigueur, vous êtes dans une campagne. Moi, et si je fais plus, et je fais plus Crowan, vous allez faire comment? Vous devrez continuer votre Crowan. Voilà. Mais je suis là. Moi, je continuerai Crowan toujours. Tant que le business reste un business d'affiliation où il est question d'apporter des clients à une compagnie de se faire payer, moi, je le ferai toujours. Mais vous aussi, prenez vos responsabilités. Vous plaignez dans les groupes Telegram, dans les groupes WhatsApp. Mais Crowan est là, écrivez-le. Écrivez à Crowan, je veux dire. Donc, clique ici, contact as. Quand tu as fait ça, on va dire, tu veux écrire en quoi? En anglais? En français? Tu veux écrire en français? Coche ça, écris ça. Ta question concerne quoi? Les bonus? Les événements? Quoi? Le compte? Les bonus? OK. Oh, ça nous a ramené ici. Les bonus? Quel genre de bonus? Bonus de quoi? Les résiduels? OK. Et maintenant, tu poses ta question ici. Bonjour, Crowan. Moi, je suis très fâché. Je suis très, très fâché. Très, 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 très fâché. Voilà, ça, tu peux écrire à Crowan là-bas. Mais quand tu es fâché, ce n'est pas l'embête quoi. Si vous venez exprimer ta colère ici, ou bien à un autre leader, il faut aller écrire ça à Crowan. Tu dis, je suis très, très fâché parce que ceci, parce que cela. Voilà ce que tu dois faire. Parce que toi, Crowan, hein, tu es en train de me... Je ne comprends pas ce que tu fais. Voilà, il faut écrire ça à Crowan. Et puis, ils vont te répondre. Comme ça, tu exprimes ta colère sur là où tu dois exprimer ta colère. Et puis, tu cliques sur send. Et puis, la question, la réponse est partie. Et puis, ils vont te répondre. Maintenant, quand tu as cliqué ça, je te montre les questions depuis que je suis à Crowan. Toutes les questions que j'ai posées, ils m'ont répondu. Quand je ne comprends pas quelque chose, j'écris. OK? J'écris. Par exemple, je vais te faire mon abonnement. Et quand tu cliques sur ça, tu arrives ici. Là, en ce moment-là, tu ne viens pas ici. Quand tu veux faire premièrement, quand tu as déjà écrit que tu veux vérifier la réponse, tu viens encore là, tu cliques sur support. Là, tu as déjà écrit, tu veux la réponse maintenant. OK? Regardez là, ils ont écrit là, my support ticket. Juste en bas de là où vous faites les recherches. Regardez là. Ça veut dire, tout ce que j'ai tické, c'est ce que j'ai envoyé déjà comme message. Est-ce qu'ils m'ont répondu? Tu viens vérifier ici. Clique dessus ça. Et voilà tout ce que tu as envoyé comme message. Tout ce que moi j'ai envoyé comme message, vous voyez tout ça? Hein? Sur plusieurs pages. Hein? Vous voyez donc toute cette liste-là. Quand je ne comprends pas quelque chose, j'écris. Page, ça c'est page numéro 1. Qui date de quoi? Ça c'est 2019. Ça 2019, vous voyez non? 2019. Donc quand je ne comprends pas, j'écris. Deuxième page. C'est ça être responsable pour son business. Mais au fait d'un business, vous ne contactez jamais la compagnie. Vous pouvez écrire en français, ils vont vous répondre en français. Si tu perds l'anglais, tu as écrit en anglais, ils vont te répondre en anglais aussi. Vous comprenez? Voilà, donc écrivez. Hier, moi, j'ai écrit. Hier, c'était le combien? Hier, le 24. Oui, c'est le 24, bien c'est hier qui était le 24. Bon, bref, peu importe. J'ai écrit. Pour dire quoi? Pour le Crowan Reward, j'ai fait mon abonnement j'ai fait mon abonnement de Mixer et je n'ai pas reçu automatiquement les 1200 Crowan Rewards. Bon, est-ce que vous pouvez expliquer? Bon, apparemment, il semble qu'ils vont payer ça ils vont verser ça le mercredi pendant la réclamation des Crowan Rewards. On attend de voir. Ça n'a pas été fait, mais ils vont me répondre quand même. Voilà un peu comment on fonctionne quand on est homme d'affaires, femme d'affaires. Voilà, ça c'était pour vous éclairer, pour vous aider. Peut-être que vous ne savez pas le faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, je vous ai montré comment on écrit à Crowan. Tout ce que vous avez comme souci, là, écrivez à Crowan. Premier souci, vous avez demandé à votre parrain, lui qui vous a mis dans l'affaire, là, quand il a vendu le produit, là, il a reçu un peu d'argent sur vous, pendant que vous êtes en train d'acheter,
La compagnie l'a payé pour ça. Donc, il fait un travail. Demandez-lui d'abord. Il n'a pas pu répondre, mais écrivez à Krawan. Hein? Vous avez une colère embouteillée? Exprimez cette colère. Exprimez cette colère sur Krawan. Vous êtes fâché? Mais écrivez à Krawan. Vous avez une plainte? Mais écrivez à Krawan. Écrivez à Krawan. Ils sont là. Ils ne vont jamais disparaître parce qu'eux-là, ils n'ont pas pris de risque par rapport à leur business. Tu vends, on te paye. Tu ne vends pas, on ne te paye pas. Les produits sont là. Voilà, les produits sont là. Tu vends, on te paye. Tu ne vends pas, on ne te paye pas. Tu n'as pas investi ton argent. Donc, tu vends LiveStream, les hôtels, on te paye. Tu vends les jeux, on te paye. Tu vends quoi? La formation, MyGreenUp, on te paye. Donc, ils n'ont pris aucun risque. Nous, on est là, on est se fatiguer pour rien. Ils vendent pour les compagnies partenaires, les third-party products. Produits sont là, les produits, les services des compagnies tierces, ça est là. C'est nous, on se fatigue. Donc, s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas. Vous avez un problème à Krawan, écrivez. Donc, ça ne sert à rien de venir dans les groupes Telegram, WhatsApp, insulter les gens, les leaders qui sont en train de vous aider. Ceux-mêmes qui sont en train de vous aider, vous les insultez. Ceux-mêmes qui sont en train de vous aider, celui qui est en train d'ouvrir vos yeux, vous l'insultez. Il fait une vidéo, vous venez l'insulter en bas de la vidéo. Pourtant, il est en train de vous aider à comprendre quelque chose. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Lui, il est en train de t'aider. Toi-même, tu as les yeux fermés. Ta main est attachée, tu ne peux pas ouvrir tes yeux. Lui est en train de te détacher pour que tu puisses voir clair, mais c'est lui que tu insultes. Vous voyez ça? Tu veux traverser l'eau, tu ne peux pas traverser. Des hippopotames ou bien des crocodiles se mettent en ligne pour que tu mailles sur leur dos. Et dès que pendant que tu es en train de mailler sur leur dos, tu es en train de les insulter. Pourtant, tu veux traverser l'eau. Tu n'arrives pas à traverser. Ils ont fait un pont pour que tu puisses traverser. Et pendant que tu es en train de traverser l'eau, tu es sur leur dos et puis tu les insultes. Il a créé son groupe pour t'aider à comprendre Krawan. Pendant que tu es en train de comprendre, tu lui poses des questions, il te répond et puis tu l'insultes. Tu es sur son dos ou bien il est en train d'ouvrir tes yeux, mais tu l'insultes quand même. Mais ça n'a pas de sens. Vous voyez, non, c'est pas récent ça. Revoyez ça, hein, ce comportement-là, voyez ça. Voilà, c'est surtout les Africains qui font des trucs comme ça. Revoyez ça. Non, les Européens aussi sont dedans aussi. Revoyez tout ça.